Et maintenant, mesdames, messieurs, nous allons accueillir un ressuscité. Voici Patrick Dupont. Patrick Dupont, bonsoir. Bonsoir. Ah, ça y est. Ah, ben voilà, je reste comme ça. Ça y est, je suis bien, je suis installé, tout va bien, merci. Ah, au revoir, salut. Sympa, merci d'être venu. Nice to see you. Ah, il y a Guillaume qui est... Il vous reste Titoff, mais enfin bon, c'est pas le même usage en même temps. It's okay, it's même okay. Moi aussi, je reste comme ça. Ça. Comment il m'a poussé. Tout va bien. Tout va bien. Tu t'as poussé? Bien, alors dans la série Dupont et Dupont, la semaine dernière, on avait Aurélie Dupont. Et cette semaine, on a Patrick Dupont, voilà. Donc, vous la connaissez, Aurélie Dupont? Je l'adore, oui. C'est génial, c'est, hein. C'est une de mes chouchoutes. Beaucoup, c'est une grande copine d'emails. Et c'est une très, très belle danseuse, surtout. Beaucoup d'emails. Parce plein de choses dans la tête. Elle a annoncé ici qu'elle était toute seule. Mm-hmm. Et vous savez que cette émission sert à ça aussi, Patrick. Mais elle ne sera pas seule longtemps. Alors, vous, c'est incroyable, quoi. C'est retour de l'enfer, là, non? Ouais. 6 janvier 2000, 4 mois sur un lit d'hôpital. Mm-hmm. Et alors, à l'époque, vous étiez allongé comme ça, c'était l'autoroute de Normandie, vous étiez allongé. Ouais. Et vous entendiez les pompiers qui disaient, dis donc, on est avec Patrick Dupont, il est pas beau à voir. Hein. Il n'est pas beau à voir, mais il s'en sortira. Ouais. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que exactement 10 mois, jour pour jour, après cet accident, c'est-à-dire dans 3 jours, bah, oui. Le rideau se lève à l'espace Pierre Cardin, et qui est-ce qui danse et qui est-ce qui chante? C'est Bibi. C'est bien. Et donc, quelque part, bah oui, voilà. C'est génial. Mais alors, si ça m'arrive à moi, ça peut arriver aux autres. Quoi. Bien c'est sûr, pour c'est dire une belle leçon. Les sportifs ont une faculté de se rétablir. Il y a les sportifs et Gérard Depardieu. c'est les deux catégories. C'est vrai. Hein. Il faut être fort. Alors, donc, vous avez tout repris à zéro, vous, avec votre père, votre maître Max Bozzoni. Donc, vous êtes allé vous dites dans des studios, il y a des petites ballerines de 6 ans. Vous avez tout recommencé. Dans le studio rue Rodier, avec des petites filles de 6 et des petits garçons de 6-7 ans qui me regardaient avec des yeux un peu hallucinés. J'ai recommencé doucement avec lui. Et puis, quelques semaines plus tard, j'étais sur la scène de l'espace, Cardin, et je commençais à redanser, à chanter et à jouer la comédie. Donc, et c'est bien, je suis super content. C'est génial, ça fait même pas un an. Vous voyez un homme heureux, là. Hein, bah ouais. Vraiment. Alors, la comédie musicale s'appelle L'Air de Paris. C'est le 7 novembre à l'espace Cardin. Alors, c'est basé sur quoi? Sur tous les grands airs de Paris, mais ça, c'est aussi 40, bien. Ouais, c'est 45 chansons. En fait, on a choisi dans le répertoire de toutes les chansons qui ont été écrites sur Paris, 45 des plus belles, qui sont certaines des vrais chefs-d'œuvre, des bijoux, tels La Complainte de la Butte, La Valse à mille temps, Rue de l'Ape, Pigalle, etc. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune provinciale qui, au moment qui est Manon Landowski. Qui est Manon Landowski. Le jour de son mariage, au moment de dire oui, elle dit non. On dit, mais attends, pourquoi, t'es dingue? On ne peut pas dire non, c'est épouse un héritier, un riche héritier. Elle dit, mais enfin, vous n'avez rien compris, il y a Paris qui m'attend. Ouais. Et elle saute dans le train, elle arrive à Paris dans un dancing dont le patron, c'est moi. Voilà. Et je lui dis, alors cocotte, tu veux voir Paris, donne-moi la main. Je la prends par la main et je lui dis, regarde là-bas à droite, c'est la rue de la peur, rue de la peur, autant joyeux. Voilà, et ça commence comme ça. Donc vous chantez là? Oui, je chante. Je chante à peu près 40 chansons. Vous avez une bonne capacité pulmonaire, pour vous, c'est pas difficile. Pareil, j'ai 5 litres à peu près, 5 litres et quelques d'oxygène dans mes poumons. Ça va très très bien, c'est plus que la normale. Et puis surtout, c'est un petit accordéon, quoi. C'est exactement comme un accordéon. Notre prof de chant nous dit toujours, regardez Roland quand il ouvre comme ça, et donc, car le vent, ça s'ouvre. Alors, Patrick Dupont, au printemps, un livre est sorti qui s'appelle Étoile, voilà, qui est chez Fayard. Et alors, on apprend pas mal de choses sur vous. C'est une destinée assez étonnante. D'abord, vous n'avez pas connu votre père. Non. Vous ne savez même pas s'il est parti ou si votre mère l'a mis dehors. Vous le savez maintenant? Suivant la personne qui raconte l'histoire, c'est trouble. Ouais. Bon, tout ce qu'il y a d'important, en tous les cas, c'est qu'il y a 6 ans, je l'ai rencontré pour la première fois par hasard. Ah, mais si, attendez, c'est génial l'histoire. D'abord, ce que je veux dire, vous avez été élevé donc, par votre beau-père, Lucien. Par mon beau-père, qui ne voulait pas que vous l'appeliez papa. Par ma mère et ma grand-mère. Et un jour, racontez-nous cette histoire en Thalasso en 94. C'est extraordinaire, vous allez voir. On était en Thalasso après les soins et le dîner du soir. On se faisait une petite coupette de champagne tranquille. Vous étiez au bar en train de siroter. On était au bar en train de siroter. Et le barman vient vers nous, il dit, voilà, il y a le monsieur là-bas au fond à gauche qui vous offre une bouteille de Dom Pérignon. Alors je renvoie la bouteille en disant, non, dites au monsieur là-bas que j'accepte pas le champagne des messieurs que je connais pas. Puis le monsieur insiste, une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis à chaque fois je renvoie en disant, écoutez, non, je suis pas libre de toute façon ce soir, et je suis avec ma mère.
Donc un peu de décence, s'il vous plaît, qu'il garde son champagne, on verra ça plus tard, éventuellement. Puis il insiste encore. Ma mère le regarde et elle me dit, écoute, tu devrais regarder à gauche quand même. Alors je regarde, je fais comme ça. Je lui dis, oh, tu vas te marrer, mais le mec, là, on dirait moi, avec 20 ans de plus et 20 kilos de plus. Elle me dit, bah ouais. Je dis quoi, ben ouais. Elle me dit, bah ouais, 20 ans de plus et 20 kilos, c'est effectivement vrai, c'est ton père. Alors j'ai fait... Ouais. Ah oui, il y a un vieux blanc, là, hein. Ah ouais, 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 hein. Ah, c'est énorme, hein. Alors, bah, j'ai fait signe ton père, au monsieur. Elle lui dit. Elle me dit, oui, c'est ton père. Ah oui. J'ai fait signe au monsieur, puis il est venu. On s'est serré la main, il a regardé ma mère, et là j'ai compris, j'ai dit ok, je vous laisse. Oui, je les ai laissés un quart d'heure, et puis je suis revenu. Ce que vous avez compris... Jean-Claude Brialy. Ce que vous avez compris, en fait, c'est que vous avez vu leur regard, vous les avez vus se regarder, bien sûr. Et vous êtes dit, c'est passé un truc très fort bien sûr. Entre eux. Quand des gens s'aiment aussi fort, ouais. Quand je suis né, ma mère avait 16 ans et demi, lui, il ne devait pas en avoir beaucoup plus, et... Bon, il s'est passé vraiment une fusion, il y a quelques... bah, évidemment, bah, ouais. Et quand ils se sont revus comme ça au bout de 36 ans, 35 ans, donc j'ai vu dans leurs yeux qu'il se passait quelque chose, je les ai laissés, ensuite je suis revenu et j'ai dit bon, on va la boire cette bouteille, et on va se parler un peu quand même, parce qu'on ne peut pas en rester là. Et donc on a parlé jusqu'à 4-5 heures du matin, on a descendu 6 ou 7 bouteilles, je n'ai pas conduit après, et donc on est rentré tranquille, et puis maintenant on se voit presque assez régulièrement. Vous avez découvert que chez lui, enfin, chez votre vrai père, il y avait une pièce qui vous était dédiée. En plus, en allant chez lui, où j'étais une espèce de mausolée, Patrick Dupont, j'ai dit, tu vas m'arracher tout ça. J'avais des photos de moi partout. C'est fou, hein. À tous les âges de ma vie, à ma nomination de danseur étoile, ma nomination de directeur, quand j'ai été décoré de chevalier des arts et lettres, j'ai dit, mais c'est pas possible, tu peux pas vivre dans cet univers factice, finalement, parce que je suis autre chose que ça, quoi. Donc, mais vous êtes malheureux de vous voir réussir comme ça, de pas pouvoir vous le dire, pas pouvoir vous parler. Bah ouais, 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 ouais. Guy, c'est insensé, cette histoire, non? C'est aussi l'histoire de Barbara. Ah bon? Oui, oui, oui. Bah, racontez-nous, Guiraud. Non, mais c'est... Tout le monde sait ça. Mais non, pas moi. Lui est arrivé la même aventure. Elle a trouvé son père très tard. Très tard, oui. Puis... Elle l'a raté, en plus. Oui, elle ensuite, a pas eu après, la chance que vous avez. Après, malheureusement, il a disparu et elle a écrit Nantes. Ah oui. Voilà. Dans le train qui la ramenait après l'enterrement, elle a écrit Guiraud, Nantes. Guiraud, il est génial. Ouais. Et vous savez tout. Ouais, non, mais j'ai quelques relais dans les chanteurs. C'est Barbara, Léo Ferré, Brel Brassens. Et il y a pire. Hein. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Bien. Alors, la vocation de... Vous, très très tôt, vous avez découvert votre vocation, parce que quand vous aviez 3 ans, le dimanche, après le repas familial, le fameux repas... C'est au centre, le fameux repas du dimanche qu'on a tous connu, avec le Mont-Basillac et les gâteaux secs, vous montiez debout sur la table, quand vous venez de débarrasser, puis il y avait le manche-disque rouge, et vous dansiez Twist Again. Et donc, sur Twist Again, je dansais, là, au milieu de la table, et il y avait... Mon grand-père avec sa deuxième femme, ma grand-mère qui était l'épouse de mon grand-père avec son deuxième mari, et ma mère avec Lucien, son deuxième mari. Ouais. Voilà. Et ça formait une espèce de pyramide, et moi j'étais en haut de la pyramide, et j'en dansais Twist Again, comme ça j'avais 3 ans, jusqu'à ce que je tombe. Jusqu'à épuisement, jusqu'à vous oublier dans votre culotte. Ah, vous oui, 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 mais c'était un plaisir. Attendez, vous imaginez le public en or. Ouais. Vous avez une énergie donc extraordinaire là, à l'époque, donc vous dansiez jusqu'à plus soif le dimanche après-midi sur la table de la cuisine familiale. Mais très jeune, on découvre chez vous une énergie extraordinaire. Vous dormez 3-4 heures par nuit. Quand vous avez 14 ans, vous êtes un peu le chef de la bande. Vous faites les 400 coups, on vous appelle tape dur. Et vous êtes agité, colérique, un peu épileptique. Oui, légèrement. Et votre mère, et c'est comme ça qu'il est devenu Patrick Dupont, votre mère vous enferme dans une chambre obscure. Dans sa chambre sur le grand lit, enfin la chambre de Lucien et sa, la mère. Et elle éteint la lumière et elle me laisse en compagnie de Jacques Brel, Edith Piaf, Léo Ferré, mais aussi Mozart, Bach, Brahms, Gustav Mahler, Ray Charles, les Rhythm Blues. Ouais. Et, à chaque fois qu'elle met la musique, je me calme. Alors là, votre mère vous a mis au judo à ce moment-là. Au judo. Et vous êtes arrivé la même histoire qu'à Aurélie Dupont. C'est incroyable. Je ne sais pas si c'était un mercredi. Un jour, elle va, je ne sais plus à quel cours, elle entend de la musique, elle marche jusqu'à la grande salle d'où venait la musique. Et c'était un cours de danse. Et c'était un cours de danse. Voilà. Et ça a été pour elle la révélation, et pour vous, c'est exactement la même chose. Moi aussi, j'ai fondu en larmes, j'ai été bouleversé, parce que c'était Arthur Rubinstein. En fait, c'était encore un manche-disque. Le professeur de danse, pour accompagner ses cours de danse, mettait des disques de Rubinstein qui jouait Chopin. Ouais. Et là, c'était la fantaisie impromptue. Je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Je suis resté, et il y avait des filles qui dansaient, c'était beau, elles étaient belles.
J'ai trouvé ça magnifique et donc j'ai filé en kimono, réveillé ma mère, c'était un dimanche matin moi. Et donc je l'ai attirée au cours et j'ai dit qu'est-ce que c'est. Elle m'a dit mais c'est un cours de danse. J'ai dit mais je veux faire ça. Elle m'a dit tu peux pas. Je lui ai dit mais pourquoi. Elle me dit parce qu'il faut être le meilleur du monde pour faire ça. Elle dit, mais, je lui ai dit, mais meilleur du monde, mais c'est ça que je veux faire. Et alors, vos parents, qui n'étaient pas très fortunés, hein, ils vous ont drôlement aidé, hein, ils ne roulaient pas sur l'or, mais ils vous ont drôlement aidé à réussir, à faire ce que vous voulez. Et ils vous ont surtout trouvé votre entraîneur, votre coach. Mon maître. Votre maître, c'est Max Bozzoni, donc, qui lui était une ex-étoile de l'opéra. Mm-hmm. Un jour, votre mère arrive dans un pressing de l'avenue de Versailles, elle dit, vous ne connaissez pas quelqu'un qui pourrait donner des cours à mon fils. Et il y a une dame qui dit, mon ex-mari, et voilà. Et oui, mon ex-mari est professeur, il peut s'occuper de votre fils. Et donc, on est arrivé chez Max Rue Rodière à Pigalle, là-haut. Ouais. Et j'avais mes chaussons de pointe à la main. Il me dit, c'est quoi ça? Je lui dis, bah, ce sont mes chaussons, très fier. Il me dit, mais les garçons, ils ne font pas les pointes ou... Ah, je dis, ah bon, ils ne font pas les pointes? Et bah, ciao, on se casse. Et j'ai attrapé ma mère, je dis, viens, on s'en va, il ne connaît rien à la danse, celui-là, on s'en va. Et puis, trois jours plus tard, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, c'est pas très intelligent ce que je fais, donc on va y aller quand même. Alors voilà, donc vous travaillez le soir avec lui, vous êtes au corps de ballet de l'opéra, enfin vous commencez à apprendre, enfin vous êtes à 15 ans et demi, vous êtes dispensé par le ministère du Travail. 15 ans, j'ai été engagé, ouais. Ouais, 15 ans. Et alors vous décidez de préparer Varna. Alors Varna, il faut expliquer ce que c'est les Jeux Olympiques de la danse. Ouais. Hein. Les Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'il y a quasiment tous les pays représentés, il y a 750 concurrents. Vous décidez de faire Varna, Lucien, votre beau-père, meurt, ce qui est quand même... facilite pas les choses, vous y allez, c'est en juillet 76, et à la dernière épreuve, au moment fatidique, la bande magnétique sur laquelle vous dansez ça casse. Ouais, ça casse. Et à ce moment-là, il y a une fille qui monte sur scène. Quelqu'un du public qui a joué du piano pour moi. Piano. Ouais. Et voilà. Et je remporte le jackpot. Médaille d'or qui n'avait pas été donnée depuis 10 ans. Oui, ah, bah, c'était Baryshnikov. Et là, votre carrière explose, vous êtes une star. Vous... Magnéto, Serge. Patrick Dupont, 17 ans, quadrille de l'Opéra. Il vient de remporter le Grand Prix du Festival International de Danse de Varna. Un triomphe éclatant, puisque ce prix n'a été attribué que deux fois depuis la fondation du concours en 1964. De la graine d'étoile, dit-on déjà. C'était 1976. Alors, on va pas faire toute la carrière de Patrick Dupont non plus parce que... Non, tout est dans le livre. Bah. Il faut lire ce bouquin. Alors, bon, après, il y a eu des problèmes avec l'opéra. On va pas en parler, si ce n'est que vous venez de gagner quand même 1,5 million de francs parce que vous avez été viré de façon un peu illégale. Mmh, et donc, vous venez de gagner votre procès contre l'Opéra de Paris. Oui. Ouais. Donc vous avez 1,5 million de francs. Oui, ça correspond au salaire que j'ai pas perçu pendant 3 ans et demi. Et ça correspond surtout à l'argent que je vais pouvoir mettre de côté pour ma retraite, quoi. Parce que nous, les danseurs, moi j'ai 41 ans, pour l'opéra, je suis un vieux déjà, je suis fini. Et là, il y a eu après votre période noire, c'est-à-dire vous avez eu, comme on dit, les boules, quoi. C'est-à-dire vous avez eu des ganglions au cou, vous avez fait opérer. Entre autres, j'ai été diagnostiqué, on recherchait le cancer. Enfin bon, je suis passé par toute une série d'épreuves, pas drôle, parce que... Mais la série noire, c'est-à-dire... Après la lumière, j'ai plongé dans quand on vous enlève les ganglions, on touche un nerf, vous êtes paralysé du bras, ensuite vous tombez dans l'escalier... Du coup, j'écris le livre pour faire de la rééducation, j'ai commencé à écrire, je m'appelle Patrick Dupont. Vous tombez dans l'escalier, Béjart vous prête sa maison à Montreux pour aller vous reposer, elle brûle. Ouais. Enfin, vous étiez vraiment... C'était Mister Schumann. J'ai resté là 4 jours, le cinquième matin, c'était le soir, Maurice m'appelle en me disant, écoute, je suis à Osaka... on est en juillet, tu croiras jamais, mais il fait un froid de canard, ça me fait penser qu'il faut que tu fasses du feu. Et je lui dis, mais tous les soirs, j'en fais, vous inquiétez pas, Maurice, il fait pas froid dans le chalet. Ouais. Donc le soir, en bon élève, je fais un bon petit feu, puis je vais me coucher vers 10h30, et à 4h du matin, tout brûle avec moi dedans. Le chalet brûle avec moi, les chiens et le manuscrit du livre. Ouais. Et donc j'ai eu le temps de sauver les chiens d'abord, le manuscrit ensuite et mon pyjama. Après, il y a eu l'accident dont on a parlé tout à l'heure, donc le 6 janvier 2000, et puis voilà, puis aujourd'hui vous êtes là, et on est ravis que vous soyez là. Et le rideau se lève dans 3 jours. Et oui. Dans 3 jours, le rideau se lève et je suis vraiment heureux. Bien on content. Est heureux, on est très bien heureux content. Pour vous. Ouais. Et il se relèvera. Bien.
Bien, alors Patrick Dupont, on va faire une interview. Dernier on coup. On ne bouge pas pendant le jingle. Dès que Baffy n'est plus là, voilà, je constate que personne ne bouge. Merci, Guy. Ça me fait très plaisir. Vous savez, je tiens beaucoup à ça. Alors, dernier coup, c'est facile. Dernier coup dur. Dernier coup dur, l'accident de voiture. L'accident. Dernier coup de cœur. Coup de cœur... Adriana Carambeu, je comprends. Le dernier, bah, c'est il y a 5 minutes. Oui. Ouais. Je vais bien. Dernier coup de poing. Dernier coup de poing, le procès. Ouais. Dernier coup de folie. Dernier coup de folie, un très joli cadeau pour ma maman. Ouais. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre, ma petite partenaire Manon Landowski. Ah oui. J'adore. Dernier coup de gueule. Dernier coup de gueule, je veux qu'on m'écoute aux répétitions. Ah ouais. Je veux travailler. Ah ouais. Je veux répéter. Je trouve qu'on passe trop de temps sur les autres, pas assez sur moi. Dernier coup de bluff. Dernier coup de bluff. Ouais. Quand est-ce que je bluffe? Je bluffe tout le temps. Ouais. Sauf là, sauf ce soir. Bah là, vous pouvez pas ici. Un dernier coup de barre. Dernier coup de barre, bah, c'était ce matin à 10h30, j'étais accroché à la barre. Ah oui. Dernier coup. Avec lui, c'est normal. Dernier coup de blues. Dernier coup de blues, oh là là, il y a 2 jours, je rentre à la maison crevé, il était 1h30, je mets la radio. Et évidemment, c'est Barbara qui chante L'Aigle Noir. Ah ouais. Et pff, la chute du Niagara. Ça m'est arrivé avec Laura Fabian, moi. Ouais. Bien. Dernier coup de poker. Dernier coup de poker. Je serais tenté de dire le procès aussi, parce qu'on ne sait jamais si on va gagner ou perdre, malheureusement. Or, là, c'est la justice qui a gagné, donc tant mieux. Et attention, Patrick Dupont, dernier coup de rein. Dernier coup de rein, pas plus tard qu'avant-hier soir. Ah, ça s'est bien passé? Oh, génial. Ah ouais, Guy, c'est comme ça ici. Hein? Ah oui, oui. Faut tout dire ici, vous savez. Quand on dit tout le monde en parle, ça ne veut pas dire que tout le monde en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Bien. Vous vous intéressez à l'astrologie? Vous intéressez un petit peu, maintenant un petit peu, puisqu'il y a 4 ans, quelqu'un que je ne connaissais pas me dit, 4-5 ans d'ailleurs, me dit, oh là là, il y a un tunnel noir. Je lui ai dit, attendez, je suis directeur de la danse à l'opéra, ça va, merci. Ouais. Et puis, en fait, tout ce qu'elle m'a dit donc est arrivé. Vous croyez? Vous croyez au surnaturel aussi? Vous avez vu... Lucien après sa mort. C'est-à-dire que le problème, j'ai été confronté à des expériences vraiment un petit peu comme Guy avec la mort de sa maman. Au moment où Lucien est mort, j'étais en train de dîner avec une copine KedgeMap. Lui, il était à Brie-Comte-Robert. Et dans la baie vitrée, j'ai vu son visage, vraiment. Et d'un seul coup, il n'était pas là. Et une heure plus tard, on m'apprenait qu'il était mort. Alors précise où il m'était apparu. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.